ce soir. Une économie qui se réinvente donc, un nouveau site pays fait son apparition. Chezvous.re vous permet de commander des produits alimentaires en ligne. La plateforme a été créée par les fondateurs d'un site de billetterie en ligne qui se sont forcément retrouvés sans activité. Reportage Delphine Poudroux, Daniel Fontaine. Chezvous.re, c'est cette plateforme d'achat en ligne 100% locale, créée par deux copains, deux Dionysiens, qui en plein Covid-19 ont choisi d'aider les Réunionnais à s'approvisionner. Laurent Fontaine est l'un des cofondateurs. Le commerçant, on lui crée un compte commun, vendeur en ligne. Une fois qu'il a son compte vendeur, en fait, il crée ses articles, il gère ses tarifs. Et dès qu'il reçoit une vente, en fait, il a une notification mail qui l'alerte de la commande à traiter. Et pour le consommateur, en 4-5 clics, en fait, il cumule dans le panier les articles d'un vendeur ou de plusieurs vendeurs sur la plateforme. Du paiement jusqu'à la livraison, il a des alertes mail pour lui dire où ça en est. Aujourd'hui, Chezvous.re référence 172 produits alimentaires et 65 autres produits divers et variés. De quoi contenter consommateurs et commerçants. On vend du vin, du champagne, du cidre et des produits d'épicerie fine. Et on trouve sur la marketplace, chezvous.re, de quoi générer du chiffre additionnel. Le magasin n'est plus à X endroit, le magasin est dans l'ordinateur de la personne. Du coup, c'est exactement ce qu'on recherchait, quoi, atteindre le maximum de personnes de manière facile. Depuis le 9 avril dernier, le site enregistre 30 à 40 commandes par jour. Et pour certaines d'entre elles, Chezvous.re assure la livraison. Sébastien Lebon est cofondateur du site. On s'est rendu compte que c'était une demande de la part du client final d'avoir une livraison groupée quand il prenait plusieurs commandes et qu'il y avait plusieurs commerçants. Déjà c'était ça. Et puis il y avait aussi certains commerçants qui souhaitent venir sur notre plateforme, mais ils ont ce souci de livraison. Donc du coup, ils ont voulu qu'on ait ce service tout simplement. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est Joël, une habitante de la montagne, qui se fait livrer dans le respect des gestes barrières. Vu notre âge, on n'a pas des chariots à remplir et qu'on n'a pas la patience d'aller attendre dans les supermarchés et qu'ici on n'a pas tout ce qu'on veut, on va faire un essai. Donc là, c'est un essai, on innove et on verra si ça marche parce que vous savez, après il faut penser un peu notre isolement quand on prend de l'âge, ça peut être une bonne expérience pour l'avenir. L'avenir, Laurent et Sébastien, les fondateurs de Chezvous.re, y pensent eux aussi. Bien sûr, ils souhaitent poursuivre l'aventure et espèrent bien étoffer leur offre.